C'est parti pour un nouveau let's play sur la nouvelle snapshot de Minecraft, la version 21W15A de ce 14 avril 2021. Allez, c'est parti. Eh ben génial, et ça commence bien. Je n'ai pas la possibilité d'accéder à mon ancien monde, non disponible pour l'instant. Bon, bah tant pis, hein, on va reprendre à zéro. Ah, oh, punaise. Allez, la Snapshot 25. Shoot. Oh, allez, Snapshoot. Allons-y. C'est parti sur un nouveau terrain avec donc le biome savane. Wow, ça lag un petit peu. J'ai pourtant mis 4 gigas de mémoire sur Java. Ouais, bon. Ok, du désert, de la savane, encore du désert par là-bas. Allez, on commence par vous croyez que c'est jouable? Je suis trop nul. Si, je l'ai eu. Comment perdre du temps et de l'énergie, mais on récupère à manger. Donc vous l'avez peut-être vu sur l'écran de démarrage, le fond a changé et il y a une annonce spéciale sur une mise à jour sur les caves. Mais c'est pas maintenant que je vais y aller. Je suis pas équipé. Pas mal cet endroit-là, pas mal du tout. Il y a du fer, du charbon. Pas mal, pas mal. Allez, on va commencer par aller chercher du bois. Et pas uniquement ainsi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, superbe! Le biome avec les champignons, donc forêt champignons, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais très intéressant. Et il y a un village là-bas. Waouh, trop bien! Bon, bah ça débute bien. Ah bah ça, j'aime bien là. Allez, on récupère du roseau. On va les planter au plus près de notre emplacement. Ah ouais, j'aime bien ça. Ici, il y a de la lave. Ouais, enfin, on n'est pas encore arrivé au stade où on va pouvoir miner de l'obsidienne. Je sais pas si vous les aviez déjà vus aussi. Ouais, je vous fais voir un peu tout. Là-bas, au fond, on a donc ces poulpes qui sont lumineux et qui vont donc donner, voilà, de l'encre lumineuse. Ouais. Ah, ça fait tellement longtemps que je me bats pas avec juste un bout de bâton. Non, bah, je vais le laisser tranquille, hein. C'est un squelette que je vois là, oui, qui vient de mourir. Très bien. Il est mort pourquoi? Moi, j'y suis pour rien. Ah, ils se sont tirés dessus avec un autre squelette, on dirait. Des lapins noirs, de quoi faire un lit, enfin, le début d'un lit. Et à nouveau, ouais, trop bien. Ah, et à manger ici. Voilà. Bon, bah, tout ça sera pas mal pour faire mon point de départ ici. Non, là on n'est pas sur du sable. Ok. Allez, allons voir ce village. Il y a du monde. Mais c'est quoi ce bruit? Waouh, 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 pas mal. Alors, je vois un fermier là-bas.
Là, il y a du monde à grandir, donc on va pouvoir leur donner des trucs à faire par la suite. Toi, t'es bon. Oh, ici, ça sent. Ouais, c'est bien ça. Le boucher avec du poulet et de la côtelette de porc. Ok. Encore une belle grotte ici. La forêt juste à côté. Je continue d'explorer. Hein. Ça, je vire parce que j'aime pas me prendre des points de dégâts à cause de ça. Le chat. On s'en fait déjà un ami. Ça n'a pas marché. Pas du premier coup, ça serait trop beau. Ouais, c'est bizarre là, je me disais. Mais bon, pour l'instant, le chat a bien accepté un premier poisson, donc c'est déjà pas mal. Ici, juste de quoi dormir. Ok. En dessous, pareil, c'est un lit. Je pense qu'on va pas avoir mieux ici. Un troisième lit, un quatrième avec... Cool. Un établi qu'on n'aura pas besoin de fabriquer, mais que je vais positionner ailleurs. Ça, on le détruira. Encore un lit. Ouais, faut pas que ça tombe dessus. Ouais, ouf. Bon, on le consolidera peut-être. Il y a du poisson là-bas. C'est quoi ce délire? Ouais, d'accord. Ouais, ouf. Ok. Allez, petit poisson. Il va peut-être falloir que je garde à manger. Oui, enfin, je pourrais faire du pain aussi, très rapidement, donc pas trop m'inquiéter de ça. Lui, il est coincé ici, ça arrive parfois, donc il est coincé à l'intérieur, et donc il faudra le déloger pour qu'il puisse vivre sa vie, sinon il va rester coincé comme ça tout le temps. Ici, encore un lit. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour du village. Il y a un deuxième établi ici. Vous avez vu le lieu de réunion ici? Ouais, moi. Pas top. On le déplacera, on le mettra peut-être plus par là, par la suite. En attendant, je poursuis la destruction de ces cactus et on va faire un petit peu de pain. Le pain, je ne sais plus comment on le fait, donc je vais être bon pour l'utiliser ainsi. 3, voilà. On va en prendre 4 de plus, ça nous fera à manger. Ça y est, c'est l'heure. Ils se réunissent. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est des échelles. Et donner ça... Au fermier, il est où le fermier? Le voilà avec son petit chapeau. Allez, hop. Donc on va en laisser un ici et puis on va aller faire le plein de bois. C'est juste à côté, c'est excellent. Le chat, il est là. On fait tomber. Voilà, comme ça. Ça tombera pas plus bas. Et c'est parti. Donc là, ce n'est pas un chat dans le jeu, c'est un vrai chat. C'est le mien qui vient de s'installer en disant « Tu t'occupes de moi ?» Et non. Pour toute réponse, je lui dirai « Non ». Donc on va commencer par ça. Je
J'en fais toujours peut-être un peu trop, mais comme ça au moins j'ai mon équipement de base. Et puis ne pas oublier l'épée en bois. Voilà, donc on a une bonne base. Je me fais une troisième pioche. Et un premier coffre. Ça sera déjà pas mal. Allez, faisons le plein de nourriture. Et on va pouvoir éliminer un petit peu tant qu'il fait jour. L'idée étant de fabriquer... J'ai un petit bug encore. De fabriquer donc des pioches en pierre, histoire d'aller assez rapidement miner du fer, du charbon. Hop, c'est parti. Ouais, ça c'est pas nécessaire, mais je le fais quand même. Je vais avoir mes 6. Engloutir une entrée. Bon allez, vas-y, fais tout tomber, comme ça tout sera tombé. Et nous voilà déjà à la nuit. Ça va trop vite. Ok. On reviendra par ici. Donc, pour l'instant, j'ai rien fait. Si ce n'est commencer à me faire un équipement. Ici, il y a un cochon. Donc on agrandira l'élevage. J'améliore mon épée. Non, là, je ne vais pas avoir besoin de ça. Et j'améliore ça. Voilà. Hop, j'installe, je commence à faire le vide là-dedans. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et là, j'en ai gardé qu'un. Voilà, je le garde quand même. Hop. D'accord que ça, j'irai le planter tout à l'heure. Donc là, ça commence à dormir. Il y a encore un établi ici. Il y a des établis. J'ai du mal à comprendre dans la génération des villages. Voilà, ici c'est le bug de tout à l'heure. Donc je disais, dans la génération des villages, le nombre d'établis qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est en relation avec le nombre de personnages? Eh, mais ça suffit, là. Je vais pas avoir un lit? Non. Je suis pas cool. Ah, si. Merci de m'en laisser un. Allez. Voilà. Et donc, ça sera notre point de réapparition. Je vais tout de suite aller me mettre le point de réapparition le plus proche, à savoir ici. Tiens, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Oui, ça sert à rien ce que je fais, mais ça fait le ménage. Donc j'ai dit que j'allais planter ça, mais je vais le planter peut-être plutôt par là. Allez, allons baffer un petit peu. Je suis trop nul. Je me fais toucher par cette bestiole. Ah, punaise. Ouais, donc c'est pas du sable. Je vais faire un peu le ménage comme ça, de manière à avoir de quoi faire pousser
ma canne à sucre là partout. On va faire en fait de la récup en ligne droite, très rapidement. Je suis con, j'ai pas vu qu'il y en avait deux à prendre. Oh, quelle nouille! Et vous vous souvenez de l'endroit où il y avait tout à l'heure du fer, du charbon. Donc, moi je suis feignant. Je ferai la suite plus tard. C'était par là. T'as une épée? Mais oui, t'as une épée. Ça marche tellement mieux avec une épée. Toi, je ne te tue pas. Il y a un côté rigolo là, dans la vision. Ouais, c'était pas par là. Bon, allez, je vais retourner là où j'étais au départ. Et je me tais un petit peu pour pouvoir avancer un petit peu plus vite. C'est parti. Je viens de faire une bêtise, oui. Je viens de détruire un bloc de fer. J'étais en train de creuser, en train de miner, puis je me dis, mais c'est pas ça qu'il faut surtout pas faire. Voilà, donc ne minez pas. Vous avez vu le fer brut? Ah, ils l'ont mis en français, ça y est. Dans la snapshot précédente, on ne l'avait pas en français. Donc ça y est, c'est passé en français. Donc oui, ne minez pas avec du bois pour récupérer des minéraux. Ah ben voilà, très bien. Pour récupérer du fer ou du cuivre ou de l'or, vous n'allez que détruire. Génial. Le charbon, donc si vous ne l'avez pas vu, le charbon, ils n'ont pas trop changé. Ça reste la même texture. Il y a eu des tests dans les différents snapshots. On voyait des reflets un petit peu différents dans le bloc de le charbon. Pas cool, il a été le mettre le charbon en bas. Oh. J'en ai combien? 11, j'ai récupéré 4 de... Trop bien. Pas mal cette grotte, pas mal du tout. Enfin, c'est un bon début. Je vais pouvoir aller fabriquer mes fours. Mon four, peut-être pour commencer, pas la peine d'en mettre 12. Et garder un tout petit peu de charbon.
n'importe quoi. Oui, je suis un adepte de la pelle, hein. J'aime bien utiliser la pelle, récupérer des silex. Parce que par la suite, j'adore jouer à l'arc. Allez, petite récup. Peut-être que je me fasse un petit peu de bois aussi. Et je me tais pour pouvoir accélérer tout ça. Voilà donc le cuivre et encore un petit espace de charbon. Bon, j'espérais une mine beaucoup plus profonde, mais vous avez vu qu'elle s'arrête assez rapidement. Donc je récupère mes torches, je ne vais pas en gaspiller ici. Je reviendrai peut-être par la suite pour creuser dans la mine. Mais bon, là, pour l'instant, le but du jeu, c'est vraiment de faire le plein. Alors, le cuivre, pour l'instant, il sert à pas grand-chose. Il y a quelques crafts possibles, avec des cristaux pour faire une longue vue. Mais j'ai pas vu d'autres éléments, sauf s'il y a eu des changements depuis. Donc là, ici, on a fini aussi. Je l'ai récupéré ou pas? Je croyais que j'en avais 20. Oui, peut-être que j'en ai laissé une ici. C'est pour ça. Oui, je suis assez rapide hein, sur ce coup-ci. Je ne laisserai pas une torche traîner. Je garde tout pour moi. Donc ça pour l'instant... Pas énormément besoin, je pensais en avoir d'autres. J'en ai pas. Et... D'accord. Allez. C'est parti. Et pour l'instant, c'est 8. Bon, c'est 8, hein. C'est pas grave. Hop! Je vais tout de suite séparer. Vous l'avez entendu? Mais non, mais il fait quoi l'autre? Voilà. Fais ton boulot. Le sable ici. Le grès lisse. La pierre, ben, je vais bientôt plus en avoir besoin au sens... Non mais... Oui, je sais, je me défends pas, je fais rien, mais c'est le but du jeu, là. J'ai encore trop mangé, donc c'est... Ah. Yahoo! Yahoo! Ah zut, je pensais que je pouvais éventuellement me faire ma petite pelle adorée, et ben tant pis, non. La pelle, ça sera une pelle en bois,
Je m'en refais encore une. Et pour l'instant, ça sera très bien comme ça. On va se refaire un petit peu de pain. Donc ici, les matériaux, ici plutôt la bouffe. On est d'accord. Mais quand je dis matériaux, c'est plutôt les matériaux en bois. Donc je vais me faire encore un autre coffre qui va être un coffre spécial bois. Hop. Bon. Faut que je trouve par là, d'accord. Là, là-bas, oui. Alors je disais, il faut que je trouve des araignées. Mon grand truc là, ça va être de choper des araignées. De manière à récupérer du fil. Afin de me faire un arc. Parce qu'avec un arc, je serai heureux. Ouais. En attendant, je vais peut-être pouvoir utiliser ça. Continuer à dégommer un petit peu. Quoi ? Oui, ben voilà. C'est exactement le genre de truc qu'il faut pas faire. Se coller à un cactus. Mais quel débile ! Gros cactus, on les voit de loin, mais les petits, là, je me brêle. Chaque fois, je me fais taper dedans. Et... Bref, perdre des points de vie pour ça, c'est nul. Le golem, il fait bien son boulot. Ici, ok. Il y a du poisson, ouais. Allez. En poisson, c'est pas mal. Voilà mes copines. Alors, si vous pouvez me récupérer deux fils, j'aurai mon arc. En voilà une, en voilà deux, et bah donc ça fait trois. Quoi? Oui, c'est de l'expérience facile. Enfin, facile. On se moque pas. Regardez comme il nous emmène vers... Qu'est-ce que tu me fais, là? Ah oui, fais-moi tomber. C'est quoi, au fond? Du creeper, là-bas, je t'ai vu. Hein. Je veux pas du creeper. Non, ça y est, c'est parti. Je commence à perdre mes points. Non, le creeper, non. Et puis maintenant, toi, tu vas pas me sauver d'un creeper. Mais il y en a plein. Je sais plus où je dormais. Là-bas, au fond. Ouais. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a rien. Tout va bien. Mais non. Mais j'ai récupéré un arc. Tout pourri. Cool. Et je vais pouvoir m'en fabriquer un. Non ! Non ! Oh bah non, puis alors ça appelle son copain. Mais non, mais non. Non, 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 mais il y en a partout les creepers là. Ouais, vous avez remarqué, je suis pas doué avec les creepers. Je l'ai vu l'autre là-bas. Non, plus. Ils me font flipper. Putain, mais pourquoi ils sont tous là? Allez, super, j'ai deux flèches et la première que j'utilise, c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh putain, c'est pas une épée de la mort. Hein. Voilà. Putain. Oh, le nul.
Pourquoi il se barre pas là? Regardez-les, ces saloperies là. Bien sûr, j'ai plus de flèches. Oh, mais je croyais que c'était 3 coups, pas 4. J'en ai foutu de la poudre à canon. Pardon, je dis des gros mots, mais. Mais non! Mais quel trou du cul! Oh putain. Il casse tout! Oh, et puis après, moi j'aurai une mauvaise réputation. Vous les entendez grogner là? Ouais, c'est de ma faute à lui, là, c'est à cause de lui. Et avant, les creepers, ils nous laissaient tranquilles. J'y peux rien! Ils ont eu, c'est pas de ma faute, ils pètent tous, saloperie. Oh, puis ça fait des trous partout, c'est nul. Il est où le chat? J'ai entendu un chat. Le chat va faire peur aux creepers. Je veux un chat. Ah ouais, mais ça a tout pété ici. Non, ça va, ta chambre, elle est pas tombée. Pff, putain. Bah, ici, il va en manquer un, bien sûr. Ça, c'est du n'importe quoi. Il est où, ce chat? Non, mais c'est moche, là. Bon, d'accord, c'est que de l'esthétique de jeu, mais il n'empêche. Là, il y avait une porte. Mais oui. C'est bien ça. Bon, en même temps, ça sert vraiment à rien. Si on pouvait récupérer ça pour réparer là-haut, ce serait pas plus mal. Non, ça devrait pas exister. Voilà. Et là, ah oui, là-haut, ça fait n'importe quoi. Et eux, bien sûr, vont se mettre dans le trou, histoire de dire, et nous, on se met dans le trou. Sortez de là. Bah oui. Est-ce que vous êtes débile? Alors j'ai eu une partie comme ça où mes villageois étaient vraiment les champions du monde. Dès qu'ils trouvaient un trou, bah, ils se foutaient dedans et bah, ils y restaient sans rien dire. Sauf que dans ce village-là, il y avait vraiment plein de trous partout. Et donc... Chaque fois que je partais me promener et que je revenais, je me dis, mais ils sont où? Ils disparaissent, quoi. Et en fait, bah non, ils disparaissaient pas, c'est juste que... Qu'ils tombaient dans un trou et ils n'arrivaient pas à en sortir. Hein, parce qu'ils vont pas crier au secours. Ils font juste leur petit... Bref. Il va falloir commencer à leur trouver des occupations à ces braves gens. Et voilà donc les lingots de cuivre qui vont, quoi. Regardez le livre de recettes. Oui, et ben, à part faire des blocs de cuivre, je fais quoi avec? Un métier à tisser. Un paratonnerre. Ah, d'accord. Et ben, on va commencer par ça, c'est très rigolo. Un bloc de cuivre et un paratonnerre. À quoi ça sert? Eh ben, à protéger le village contre la foudre. Vous êtes tous d'accord. On va le mettre ici. Hop. Et le paratonnerre. Yes! Bon, bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Ça me permet de faire ça. Ouais, ça va donner du boulot à quelqu'un. Mais en même temps, c'est franchement pas très très utile comme métier.
Où est-ce que je vais le mettre, le tisserand? Je vais le mettre là, le tisserand. Non. Ouais, je suis en train déjà d'imaginer mon village. Hein. Donc j'avais dit que ça, là, j'allais le déplacer par là. Je l'aurais bien mis ici, en fait. Ouais. Avec là, ici, cet espace-là, et donc le tisserand, il serait plutôt pas mal par là. Qu'est-ce que t'en penses, le tisserand? Là, j'ai fait un coup de 4, c'est n'importe quoi. Oui, oui. Ah, ils sont pressés, ils veulent bosser. 1, 2, 3, 4. Oui, bah écoute, oui, si, on va faire comme ça. On va mettre le tisserand comme ça, et puis on lui mettra une boîte à côté. Il sera super content. Et donc j'ai quoi, 12? C'est pas plus mal, ouais. Ok. Ah, ça y est, mon tisserand, il est déjà là. Bonjour! Et donc tu voudras de la laine blanche. Eh ben c'est très bien. On fera ça tout à l'heure. Hop. Tac, tac. Ouais, donc derrière, on va mettre du sable. Hein. Franchement, on va pas se casser le cul. Hop là. Tu veux que je dégage... Oh non. Et on va te mettre un toit en bois, pour l'instant. Yop. Raté. Oh putain, c'est dur quand même. Voilà, c'est parti. C'est pas beau ce noir là, que je l'aime pas. J'aime pas ce bois là en fait. Voilà, ça aide à son petit coin à lui. J'en ai encore deux, si j'en prends deux, je me mets là. C'est pas beau. Ouais, c'est pas moche non plus. Voilà. Allez, on mange un coup. Et puis c'est à peu près tout. Je vais pour l'instant garder ça. Ça pourra toujours servir. Mais j'avais encore des flèches. Ok. On va faire un peu de déco. Qu'est-ce qu'ils ont à chouiner là? Hop. Oh, il y a du monde dans ce village quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, cool. 11. 11 dans le village. Et donc 3 golems. 1, 2, 3, 4, 4 golems. Très bien. Bon, on va arrêter là ce premier let's play. Aller creuser un petit peu, ramener des trucs, et puis on se retrouve très très rapidement pour un second épisode. À très bientôt.